Bonjour à toutes et à tous. Après une première journée chaotique, la masse d'air s'assèche pour le reste de la semaine. Les éclaircies seront de plus en plus nombreuses avec un mercure qui aura tendance à fléchir. Donc tout d'abord, regardons ensemble ce mercredi 3 novembre. Dans la matinée, le soleil devrait facilement l'emporter face aux nuages qui circulent. Les températures sont plus fraîches à l'aube, comptez 6 degrés à Montaigu-Vendée et La Roche-sur-Yon, 8 en bord de mer et jusqu'à 12 sur les îles. Puis le soleil perdure en seconde partie de journée, à l'exception de quelques averses isolées sur les îles uniquement. Le mercure oscille entre 12 degrés à La Roche-sur-Yon et 12 degrés au Sable d'Olène, 13 à La Tranche-sur-Mer et l'Île-Dieu. Regardons maintenant les trois prochains jours et nous observons jeudi que le soleil persiste malgré quelques passages nuageux. Quelques ondées pourraient se produire également sur les îles. Le thermomètre est quant à lui capricieux avec des minimales de 4 degrés au réveil et 13 maximum pour la après-midi. Vendredi, le temps est agréable avec de belles éclaircies au milieu d'un ciel voilé. Le vent reste doux et le mercure quasi identique avec des températures entre 5 et 13 degrés. Enfin samedi, un soleil généreux brille toute la journée avec cependant un mercure qui baisse légèrement, comptez au minimum 3 degrés et au maximum 12 degrés. Mais avant, retour à ce mercredi 3 novembre, nous souhaiterons une belle fête à tous les Hubert. Nous perdrons 3 minutes de soleil et les coefficients de marée seront de 85 et 92 au Sable d'Olonne. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mercredi et vous dis à très bientôt pour un nouveau bulletin météo sur TV Vendée.